Bonjour à tous, je vais vous narrer un monologue en vers de Georges Feydeau, intitulé Patte en l'air. C'est parti. C'est parti, vraiment parti. Non, ce que c'est que la déveine. J'avais mis mon beau pantalon, un pantalon de la semaine, et m'en allais voir Madelon. Madelon, c'est un nom de femme. Vous avez aisément compris que Madelon, c'était la dame de qui mon cœur était épris. Faisant son projet de ménage, j'allais devant moi tout songeur, rêvant un prochain mariage, d'où dépendait tout mon bonheur. Bref, j'en avais tant dans la tête que là, sur le bord du trottoir, pour mieux réfléchir, je m'arrête, sans même en apercevoir. Soudain, à la jambe, j'éprouve une étrange sensation. Je tâte, et qu'est-ce que je trouve? Horreur! Une inondation! Un affreux chien! Un chien de guerre, ignorant les lois du bon ton, pour quelques simples réverbères, avait pris mon beau pantalon. C'était comme une cataracte qui ruisselait abondamment. Et ce n'était qu'un premier acte. Cela commençait seulement. En voyant cette immense tache, je pousse un cri. Puis furieux, dans le dos du chien, je détache un coup de botte généreux. Après quoi, dans une boutique, j'entre afin de faire laver l'humiliation publique dont on venait de m'abreuver. La chose faite est toute humide, tout mouillé dans mon pantalon, je dirige mon pas rapide vers la maison de Madelon. Je n'avais pas tourné la rue que tout à coup là, je perçois comme une chose qui remue, qui renifle près de moi. Je regarde. Oh ciel, quelle audace! Non, vous ne dominerez pas! Des chiens! Oui, des chiens! 10, 15, 20 en masse sont là me suivant pas à pas. Exaspéré, je les repousse, à coups de pied comme je peux. Ils reviennent à la rescousse et me suivent avec mieux. En voyant cette immense troupe dont je suis tout environné, bientôt une foule se groupe, chacun me regarde étonné. On s'interroge, on se demande si je montre des chiens savants. Un monsieur même marchande, un chien, oui, combien je le vends? Ah, monsieur, qu'on m'en débarrasse, prenez-les tous, ils sont à vous. Qu'on en extermine la race, au nom du ciel, prenez-les tous. Et là-dessus, d'un bond, je quitte tous ces gens décontenancés. Je me sauve, mais à ma suite, tous les chiens se sont élancés. Chacun, me voyant de la sorte, me croit sorti de Charenton. Enfin bref, j'arrive à la porte du logis de ma Madelon. Ouf! Mon supplice a donc un terme. Je sonne, j'entre, et promptement, au nez de tous les chiens, je ferme la lourde porte poliment. Mais voilà bien une autre affaire! À peine ai-je eu Madelon qu'elle me montre toute fière un tout petit chien de salon. Je viens de l'acheter, dit-elle. Hein? N'est-ce pas qu'il est charmant? Oui, certes. La bête est très belle. Murmurai-je piteusement. C'était un animal horrible. Mais il pesait Madelon. Soudain, j'eus une peur terrible. Le chien flairait mon pantalon. Hé hey, voyez donc comme il vous aime, me dit ma future en riant. En effet, oui. J'étais tout blême. Madelon trouvait ça charmant. Hélas, ma crainte était fondée. Là, tout à coup, en plein salon, je sentis ma jambe inondée. Encore lui, sous mon pantalon. C'en est trop. J'éclate en furie et comme un fou, subitement, aux yeux de la belle ahurie, je me lève et sors brusquement. J'étouffe. J'en ai la berlue. Je n'en puis plus. Mais patatras, qu'est-ce que je vois dans la rue? Tous mes chiens m'attendent en bas. C'est un crampon, c'est une colle. Je ne sais comment les chasser et je pique une course folle pour pouvoir m'en débarrasser. Hélas, il court aussi vite et qui plus est,
Plus nous allons, plus cette meute à ma poursuite s'accroît derrière mes talons. Déjà, ce n'est plus une troupe, c'est une révolution qui va court, crie à voix et coupe partout les circulations. Pas une voiture n'avance. Les tramways doivent s'arrêter. Cela fait un désordre immense. Chacun commence à s'ameuter. Plus d'un chien que l'on tient en laisse, par tous les autres attirés, traîne son maître ou sa maîtresse, son conducteur tout atterré. J'ai des enfants, des belles femmes, des bigotes, des éclopés, des jeunes dames, tous après moi précipités. C'est en vain que chacun résiste, il faut bien suivre le courant, ils sont tous là, suivant ma piste, roulant, tombant, vociférant. Plus d'un même, elle est mauvaise, crie aux armes à l'assassin. Des gens chantent la Marseillaise. L'épouvante est sur mon chemin. On parle de guerre civile, Paris entier, t'en es moi. Et moi, je traverse la ville avec cette escorte après moi. Enfin, tout mouillé, tout en nage, j'arrive chez moi tout perclus, jurant bien le cœur plein de rage que l'on ne m'y reprendrait plus. Et depuis, d'une odeur immonde, je m'infecte de haut en bas. C'est un peu gênant dans le monde. Mais les chiens ne m'approchent pas. À bientôt.